Abonne-toi à MySports. Le qui ressort le tir de la ligne bleue, c'est contré et ça finit au fond des filets. La réussite de Joshua Schnellmann, le joueur numéro 81 de Bâle. Il y avait eu une pression un peu plus importante de la part de Hauteville. Et là, sur une séquence pas très claire, Schnellmann, qui n'est pas marqué ni par Niffler ni par Mater, est seul devant Lichty. Il peut profiter du rebond. La récupération de Revesh en retrait, le tir de la ligne bleue et c'est 2-0. Massimo Cordiano qui peut marquer le deuxième. Et ces deux joueurs pour Bâle qui marquent en début de cet acte 4, qui n'avaient pas encore marqué dans cette série finale. Premier but dans ces playoffs pour Massimo Cordiano. Joshua Schnellmann également, c'était son premier but dans cette série finale. Et le but, le but pour Hauteville. Hauteville qui réduit la marque juste après le 2-0 de la crosse de Marco Meyer. Alors ça va très vite dans cette rencontre. Après 5 minutes de jeu, déjà 3 réussites coup sur coup, et là Marco Meyer, il est laissé seul dans le haut du slot par la formation baloise sur une bonne récupération en zone offensive. Et l'occasion, cette fois pour Marco Meyer, qui s'est heurté à Fabio Haller, et le contre à 2 contre 1 pour Bâle. Et le but, c'est 3-1 pour Bâle sur cette réussite de Yannick Sablatnig, qui marque également son troisième but personnel dans cette finale. Et Bâle reprend donc 2 longueurs d'avance face à Hauteville. Et c'est intelligemment joué de Nils Berger, qui se défait du marquage du défenseur, qui attend le dernier moment pour pouvoir transmettre à Yannick Sablatnig. Le débordement. Le puck sur le centre, intervention de Ville, c'est le but! Le but du capitaine Thomas Busser, qui marque le 4-1. Le débordement de Kiss, le puck qui est détourné par le portier Viss, et sur le rebond, Thomas Busser trompe Nicolas Viss dans le haut du filet au premier poteau. C'est quand même du côté des joueurs bernois. L'occasion, le but! Le but de Marc Sally, servi par le but de Kent Daniel, servi par Yannick Lerche. Lerche qui a pu devancer Cordiano et transmettre à Daniel. Daniel qui remet au centre et le but! Le but venu de la crosse de Sylvain Hess sur cette superbe action de Kent Daniel. Et Hauteville revient à une longueur de Bâle. C'est Lerche. Lerche qui a fait le travail pour ramener cette rondelle devant la cage. Deuxième mention d'assistance pour Yannick Lerche.